مثلا إذا أردت أن أقول لا يمكنني أن أخون ثقته، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Je ne peux pas trahir sa confiance. Je ne peux pas trahir sa confiance. On a le verbe pouvoir, yumkino ou yastati'u, conjugué au présent. Aussi, on a le verbe trahir, ma'nahu yakhunu. Je ne peux pas trahir sa confiance. Jumla ukhra, كيف نعبر عنها؟ هذا يمكن أن يحدث للجميع. فكر قليلا. نعم, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. الآن إذا أردت أن أقول هذه المهنة تتطلب الكثير من الصبر. نعم أحسنت. Ce métier demande beaucoup de patience. Ce métier demande beaucoup de patience. Ce métier demande beaucoup de patience. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ يمكنك أن تأتي لرؤيتي سأبقى في المنزل طوال اليوم. جملة طويلة يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. نعم. Tu peux venir me voir. Je resterai à la maison toute la journée. Tu peux venir me voir, je resterai à la maison toute la journée. Répète avec moi haute voix. Tu peux venir me voir, je resterai à la maison toute la journée. جملة أخرى. فكر فيما تقوله قبل أن تتحدث. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Pense à ce que tu dis avant de parler. Pense à ce que tu dis avant de parler. Pense à ce que tu dis avant de parler. جملة أخرى. سأرى إذا كان بإمكاني مساعدتك. نعم, je vais voir si je peux t'aider. Je vais voir si je peux t'aider. Je vais voir si je peux t'aider. الآن إذا أردت أن أقول أنت تعرف ما أقصده أو أنت تعرف ما أعنيه. نعم, tu sais ce que je veux dire. Tu sais ce que je veux dire. Tu sais ce que je veux dire. جملة أخرى. إنها لا تعرف ماذا تفعل. Oui, très bien. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. الآن إذا أردت أن أقول أود أن أزوره في نهاية هذا الأسبوع. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, je voudrais
lui rendre visite ce week-end. Je voudrais lui rendre visite ce week-end. هناك من سيقول je voudrais lui visiter ce week-end. هذه الإجابة تعتبر خاطئة بالرغم من أن le verbe visiter يعني يزوره إلا أن هذا الفعل يستعمل فقط للأمكنة. أما إذا أردت أن تقول زيارة شخص ما تقول rendre visite. تذكروا هذا جيدا. Je voudrais lui rendre visite ce week-end. جملة أخرى لم يأتي لرؤيتي عندما كنت مريضا. نعم أحسنت. Il n'est pas venu me voir quand j'étais malade. Il n'est pas venu me voir quand j'étais malade. Il n'est pas venu me voir quand j'étais malade. جملة أخرى هي تجد دائما حلا لمشاكلها. نعم Elle trouve toujours une solution à ses problèmes. Elle trouve toujours une solution à ses problèmes. Elle trouve toujours une solution à ses problèmes. جملة أخرى أعلم أنني بالغت مؤخرا. نعم، je sais que j'ai exagéré dernièrement. Je sais que j'ai exagéré dernièrement. Ici on a le verbe savoir, يعلم, ou si on a le verbe exagérer, معناه يبالغ, conjugué au passé composé. Je sais que j'ai exagéré dernièrement. لقد كنت غائبة لأسباب واضحة. نعم، j'étais absente pour des raisons évidentes. J'étais absente pour des raisons évidentes. J'étais, ça c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. هنا لدينا فعل يكون يعني فعل الكينونة مصرف في الماضي الناقص لأنني هنا أردت أن أصف الحالة اللي هي absent. Absent, ça c'est un adjectif معناه غائب. Absent pour le féminin on dit absente. J'étais absente pour des raisons évidentes. J'étais absente pour des raisons évidentes. Une autre phrase, je lui ai donné ma parole. Je lui ai donné ma parole. Voilà la phrase, je lui ai donné ma parole. En arabe, لقد أعطيته كلمتي. Ici on a le verbe donner, فعل يعطي, conjugué au passé composé. هذه الجملة نقولها كثيرا في اللغة المغربية الدارجة entre parenthèses. نقول أنا أعطيت الكلمة. Je lui ai donné ma parole. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة. لا تزعجني أنا أركز على عملي. نعم أحسنت. Ne me dérange pas, je me concentre sur mon travail. Ne me dérange pas, je me concentre sur mon travail. Le premier verbe, c'est le verbe déranger, يعني يزعج.
conjugué à l'impératif, soit fessirat l'amr, ne me dérange pas, et le verbe se concentrer, qu'on a qadra aynahu sabiqan, yani yurakizu, le verbe se concentrer est conjugué au présent de l'indicatif. Ne me dérange pas, je me concentre sur mon travail. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Les choses ont mal tourné après son arrivée. Les choses ont mal tourné après son arrivée. Voilà la phrase. Les choses ont mal tourné après son arrivée. هل تمكنت عزيزي المشاهد من فهم هذه الجملة؟ معناها هو صارت الأمور إلى الأسوأ بعد وصوله. Les choses ont mal tourné après son arrivée. هذه ليست ترجمة حرفية وإنما المعنى الإجمالي لهذه الجملة. Les choses ont mal tourné après son arrivée. Une autre phrase. C'est embêtant que ma meilleure amie ne puisse pas venir à mon anniversaire. C'est embêtant que ma meilleure amie ne puisse pas venir à mon anniversaire. Voilà la phrase. C'est embêtant que ma meilleure amie ne puisse pas venir à mon anniversaire. يعني بالعربية إنه مزعج أو هذا ممل أن أعز صديقاتي لا تستطيع المجيء إلى عيد ميلادي. Embêtant, ça c'est un adjectif. يعني صفة معناه مزعج ممل محرج. Ne puisse pas, ça c'est le verbe pouvoir conjugué au subjonctif présent. On a لدينا فعل يستطيع مصرف في صيغة الشك et le verbe venir, يعني يأتي, فعل يأتي. C'est embêtant que ma meilleure amie ne puisse pas venir à mon anniversaire. Une autre phrase. Il est en parfait état. Il est en parfait état. Il est en parfait état. يعني بالعربية إنه في حالة ممتازة. Il est en parfait état. Une autre phrase. Son état a empiré. Son état a empiré. Son état a empiré. يعني بالعربية ساءت حالته. L'état هي الحالة. Et le verbe empiré, تذكرون كنا قد رأيناه كذلك سابقا, يعني يسوء أو يصبح أسوأ. هنا الفعل صرف في الماضي المركب, le passé composé. Son état a empiré. الآن دورك عزيزي المشاهد, كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أنا لست بحاجة إلى أي شيء آخر. فكر قليلا. نعم أحسنت. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre. جملة أخرى. إنها حقا تستحق ذلك. نعم. Elle le mérite vraiment. Elle le mérite vraiment. On a le verbe mériter, yani yastahiqo, conjugué au présent de l'indicatif. Elle le mérite vraiment. الآن إذا أردت أن أقول أنا أفكر في شراء سيارة جديدة. نعم, je pense à acheter une nouvelle voiture. Je pense à acheter une nouvelle voiture. Je pense à acheter une nouvelle voiture.
الآن استمع جيدا. Il lui a souri d'un air embarrassé. Il lui a souri d'un air embarrassé. Voilà la phrase. Il lui a souri d'un air embarrassé. يعني بالعربية لقد ابتسم له بإحراج أو بخجل. Embarrassé, ça c'est un adjectif. معناه محرج مخجل. Embarrassé. Il lui a souri d'un air embarrassé. Aussi, on a le verbe sourire, يعني يبتسم, conjugué au passé composé. Il lui a souri d'un air embarrassé. الآن دورك عزيزي المشاهد. لقد وضعني في موقف محرج. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. نعم، il m'a mis dans une situation embarrassante. Il m'a mis dans une situation embarrassante. On a le verbe mettre, il m'a mis, conjugué au passé composé, فعل يضعو. Situation يعني موقف. Embarrassante, ça c'est un adjectif aussi. كما قلنا معناه محرج. Il m'a mis dans une situation embarrassante. الآن إذا أردت أن أقول أنا أتساءل عما إذا كان لديك ما تقوله. نعم، je me demande si tu as quelque chose à dire. Je me demande si tu as quelque chose à dire. Répète avec moi haute voix. Je me demande si tu as quelque chose à dire. سوف أدون رقمك. نعم, je vais noter ton numéro. Je vais noter ton numéro. Ici, on a le verbe aller, conjugué au présent de l'indicatif. هنا لدينا فعل يذهب مصرف في الحاضر الدلالي. ولكن هنا جاء على شكل فعل مساعد. Je vais noter. ليصبح المعنى سوف. سوف أدون. Noter هي يدون. Je vais noter ton numéro. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هل يمكنني أن أسألك سؤالا آخر؟ نعم، puis-je te poser une autre question؟ puis-je te poser une autre question؟ puis-je te poser une autre question؟ Une autre phrase. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. يعني إنه يستطيع أن يفعل ما يشاء. Il peut faire ce qu'il veut. Une autre phrase. J'en ai assez de toi. J'en ai assez de toi. J'en ai assez de toi. يعني لقد سئمت منك. J'en ai assez de toi. Arrêtez de vous chamailler. Arrêtez de vous chamailler. Voilà la phrase. Arrêtez de vous chamailler, يعني بالعربية توقفوا عن الجدال. Le premier verbe c'est le verbe arrêter, conjugué à l'impératif. لدينا فعل يتوقف مصرف في صيغة الأمر. Et le verbe se chamailler, يعني يتجادلوا. Arrêtez de vous chamailler.
Le repas était très copieux. Je n'ai plus faim. Le repas était très copieux. Je n'ai plus faim. Voilà la phrase. Le repas était très copieux. Je n'ai plus faim. Copieux, ça c'est un adjectif. Le contraire du léger. Léger, il y a khafif. Amma, copieux, l'adjectif copieux, معناه faqil, ghani, dasim. نتكلم هنا عن الطبق, le repas. Le repas était très copieux, je n'ai plus faim. كانت الوجبة ثقيلة جدا, لم أعد جائعا. Le repas était très copieux, je n'ai plus faim. Je l'ai invité à déjeuner avec nous. Je l'ai invité à déjeuner avec nous. Voilà la phrase. Je l'ai invité à déjeuner avec nous. دعوته لتناول الغداء معنا. Invité يعني يدعو. Le verbe est conjugué au passé composé. Déjeuner يعني يتغدى أو يتناول الغداء. Je l'ai invité à déjeuner avec nous. Alors, tu es venu pour me pardonner ou me réprimander. Alors, tu es venu pour me pardonner ou me réprimander. Voilà la phrase. Alors, tu es venu pour me pardonner ou me réprimander. Le premier verbe, c'est le verbe venir, yani yati, conjugué au passé composé. Aussi, on a le verbe pardonner, yani yusamihu, et le verbe réprimander. Ça veut dire yuwabbihu, yalumu. Ça, c'est le synonyme du verbe blâmer. Le verbe blâmer, kuna ra'aynahu sabiqan, ma'nahu kadhalik, yalumu. Ça veut dire faire des reproches. Yani, la phrase en arabe. إذن جئت لتسامحني أو لتلومني أو لتوبخني. Alors, tu es venu pour me pardonner ou me réprimander. Une autre phrase. Content de te voir. Content de te voir. Content de te voir. سعيدٌ لرؤيتك. Content de te voir. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Que cherches-tu? عن ماذا تبحث? Que cherches-tu? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. ليس لدي خيار. Je n'ai pas le choix. Puis-je utiliser ton téléphone? Puis-je utiliser ton téléphone? Puis-je utiliser ton téléphone? هل يمكنني استخدام هاتفك؟ Puis-je utiliser ton téléphone? Puis-je m'asseoir ici? Puis-je m'asseoir ici? Puis-je m'asseoir ici? هل يمكنني أن أجلس هنا؟ Puis-je m'asseoir ici? Ne discute pas avec moi. Ne discute pas avec moi. Ne discute pas avec moi. Yani la tujadilni. Ne discute pas avec moi. Ici on a le verbe discuter. Yani yujadilu yunaqishu, conjugué à l'impératif. Ne discute pas avec moi. Mon frère m'a giflé. Mon frère m'a giflé. Mon frère m'a giflé. Yani, أخي صفعني. Mon frère m'a giflé.
Ici, on a le verbe gifler, ma'nahu, yasfa'u. Mon frère m'a giflé. Fais-moi une faveur. Fais-moi une faveur. Fais-moi une faveur. Yani, isna'li ma'roufan. Fais-moi une faveur. Ne te méprends pas. Ne te méprends pas. Ne te méprends pas. Yani, la tafhamni khata. Ici, on a le verbe se méprendre. Yani, yusi ul fahm, yukhta fil hukm, yufakir bitariqa khata. Se méprendre, un verbe pronominal, fa'l, murakab. Ne te méprends pas. Rappelle-moi plus tard. Rappelle-moi plus tard. Rappelle-moi plus tard. يعني بالعربية ذكرني لاحقا. كذلك هذه الجملة تعني اتصل بي أو أعيد الاتصال بي لاحقا. Le verbe se rappeler لديه معنيين يذكر كذلك يتصل مرة أخرى. Rappelle-moi plus tard. On ne peut pas y arriver à l'heure. On ne peut pas y arriver à l'heure. On ne peut pas y arriver à l'heure. لا يمكننا الوصول في الوقت المحدد. On ne peut pas y arriver à l'heure. Nous avons décidé de déménager. Nous avons décidé de déménager. Nous avons décidé de déménager. لقد قررنا أن نرحل. Si on a le verbe décider, يعني يقرر, ou si on a le verbe déménager, يعني يرحل. Nous avons décidé de déménager. Mâche bien ta nourriture. Mâche bien ta nourriture. Mâche bien ta nourriture. يعني امضغ جيدا طعامك أو امضغ طعامك جيدا. On a le verbe mâcher, يعني يمضغ. Mâche bien ta nourriture. Parle lentement et clairement. Parle lentement et clairement. Parle lentement et clairement. تحدث ببطء ووضوح. Parle lentement et clairement. J'attends ma cousine. J'attends ma cousine. J'attends ma cousine. أنا أنتظر ابنة عمي أو ابنة خالي. La cousine لديها معنيين ابنة الخال وكذلك ابنة العم. Et aussi on a le verbe attendre, يعني ينتظر. J'attends ma cousine. Feras-tu quelque chose? Feras-tu quelque chose? Feras-tu quelque chose? هل ستفعل شيئا ما؟ Feras-tu quelque chose? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? كم سعره أو كم ثمنه؟ Combien ça coûte? Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. إنه وقت الاستيقاظ أو إنه وقت النهوض. Le verbe se lever يعني ينهض يستيقظ. Il est temps de se lever.
Je me sens un peu triste et déprimé. Je me sens un peu triste et déprimé. Je me sens un peu triste et déprimé. أشعر بقليل من الحزن والاكتئاب. تريست يعني حزين. ديبريمي يعني مكتئب. Je me sens un peu triste et déprimé. Il regrette d'avoir dit cela. Il regrette d'avoir dit cela. Il regrette d'avoir dit cela. يعني يندم أو يأسف لقوله ذلك. Il regrette d'avoir dit cela. Tu viens souvent ici? Tu viens souvent ici? Tu viens souvent ici? هل تأتي هنا عادة أو غالبا؟ Tu viens souvent ici? Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as rien dit? لماذا لم تقل أي شيء؟ Pourquoi tu n'as rien dit? Ne sois pas prétentieux. Ne sois pas prétentieux. Ne sois pas prétentieux. لا تكن متغطرسا أو متكبرا. Prétentieux, c'est un adjectif معناه متغطرس, متكبر. ضد هاد الصفة أو l'adjectif هو modest, يعني الشخص المتواضع. Ne sois pas prétentieux. C'est un prétentieux, il se croit meilleur que tout le monde. C'est un prétentieux, il se croit meilleur que tout le monde. C'est un prétentieux, il se croit meilleur que tout le monde. إنه متغطرس يعتقد أنه أفضل من أي شخص أو يعتقد أنه أفضل من الجميع. C'est un prétentieux, il se croit meilleur que tout le monde. Il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. لم يستطع التركيز على عمله. On a le verbe pouvoir, يستطيع. Aussi on a le verbe se concentrer, معناه يركز. يعني التركيز, la concentration. Il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. هذا بالضبط ما أريده. C'est exactement ce que je veux. Le verbe contraindre. Contraindre, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة. يعني يكره على يجبر يلزم. يعني يجبر شخص ما على القيام بشيء ما. Contraindre quelqu'un à faire quelque chose. الآن إذا أردت أن أقول لا يمكننا إجبار الأطفال على العمل. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. On ne peut pas contraindre les enfants à travailler. On ne peut pas contraindre les enfants à travailler. On ne peut pas contraindre les enfants à travailler. جملة أخرى. لمعاقبتي أجبرني والداي على ترتيب المنزل. فكر قليلا.
Oui, très bien. Pour me punir, mes parents m'ont contraint à ranger la maison. Pour me punir, mes parents m'ont contraint à ranger la maison. Pour me punir, mes parents m'ont contraint à ranger la maison. Le verbe avorter. Avorter, un verbe de premier groupe, signifie interrompre volontairement ou accidentellement une grossesse. Je répète, ça veut dire interrompre volontairement ou accidentellement une grossesse. يعني بالعربية إنهاء الحمل عن قصد أو عن غير قصد. يعني عندما تجهض المرأة. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ اضطرت أختي إلى الإجهاض أو توجب على أختي أن تجهض لأن حملها كان شديد الخطورة. جملة طويلة يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. نعم أحسنت. Ma sœur a dû avorter car sa grossesse était trop dangereuse. Ma sœur a dû avorter car sa grossesse était trop dangereuse. Ma sœur a dû avorter car sa grossesse était trop dangereuse. Le verbe avorter signifie aussi ne pas réussir, ne pas arriver jusqu'à la fin. يعني هذا الفعل يعني كذلك لا تنجح أو لا تصل إلى النهاية. يعني يمكن القول أن هذا الفعل يعني كذلك يحبط. Par exemple, mon projet a avorté. Mon projet a avorté. يعني تم إحباط مشروعي. Mon projet a avorté. Le verbe blâmer. Blâmer يعني يلومه. Blâmer. الآن إذا أردت أن أقول عليك أن تتوقف عن لومه. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Tu dois arrêter de le blâmer. Tu dois arrêter de le blâmer. Tu dois arrêter de le blâmer. Le verbe satisfaire. Satisfaire, يعني يرضي. Satisfaire, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة. الآن إذا أردت أن أقول إجابتك لا ترضيني. Oui, très bien. Ta réponse ne me satisfait pas. Ta réponse ne me satisfait pas. Ici, le verbe satisfaire est conjugué au présent de l'indicatif. Ta réponse ne me satisfait pas. كذلك هذا الفعل أي le verbe satisfaire يعني يشبع. سنرى هذا من خلال المثال. أشبعت فضولها بالذهاب لرؤية ما حدث أو ما جرى. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Elle a satisfait sa curiosité en allant voir ce qui se passait. Elle a satisfait sa curiosité en allant voir ce qui se passait. La curiosité est le fodol. Ici, le verbe satisfaire est conjugué au passé composé. Elle a satisfait sa curiosité en allant voir ce qui se passait. Le verbe reculer. Reculer, yani yatarajaou ou yarjaou. Reculer.
الآن إذا أردت أن أقول عليك اجتياز هذا الاختبار لا يمكنك التراجع كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Tu dois passer cet examen, tu ne peux pas reculer. Tu dois passer cet examen, tu ne peux pas reculer. Tu dois passer cet examen, tu ne peux pas reculer. جملة أخرى. هل يمكنك الرجوع يعني الرجوع إلى الوراء؟ أريد مشاهدة التلفاز من فضلك. نعم. Peux-tu reculer? Je veux regarder la télé, s'il te plaît. Peux-tu reculer? Je veux regarder la télé, s'il te plaît. Peux-tu reculer? Je veux regarder la télé, s'il te plaît. جملة أخرى. تراجع يعني تراجع إلى الوراء للسماح لسارة بالمرور. نعم، il s'est reculé pour laisser passer Sarah. Il s'est reculé pour laisser passer Sarah. Il s'est reculé pour laisser passer Sarah. إذن هذا الفعل يعني يرجع يعني يرجع إلى الوراء كذلك يعني يتراجع. Le verbe étonner. Étonner معناه يفاجئ. Étonné. الآن إذا أردت أن أقول موقفه فاجأ الجميع. Oui, très bien. Son attitude a étonné tout le monde. Son attitude a étonné tout le monde. L'attitude يعني الموقف. Son attitude a étonné tout le monde. Le verbe déprécier. Déprécier signifie diminuer la valeur de quelque chose, يعني أن يقلل من قيمة شيء ما. عكس هذا الفعل هو apprécier. Apprécier معناه يقدر. أما هذا الفعل يعني يقلل. يقلل من القيمة. أو يخفض قيمة شيء ما. الآن إذا أردت أن أقول إنها تقلل من شأن كل ما أقوله. نعم. Elle déprécie tout ce que je dis. Elle déprécie tout ce que je dis. Elle déprécie tout ce que je dis. Aussi, on a le verbe se déprécier. Se déprécier, ça veut dire عندما يفقد شيء قيمته. Par exemple, avec le temps, les voitures se déprécient. Avec le temps, les voitures se déprécient. يعني مع مرور الوقت تنخفض قيمة السيارات أو السيارات تفقد قيمتها. Avec le temps, les voitures se déprécient. Le verbe se moquer. Se moquer, un verbe pronominal de premier groupe, signifie يهزأ أو يستهزئ يسخر كذلك معناه يضحك. Se moquer. الآن إذا أردت أن أقول لا تدعه يسخر منك. Oui, très bien. Ne le laisse pas se moquer de toi. Ne le laisse pas se moquer de toi. Ne le laisse pas se moquer de toi.
جملة أخرى لا تصدق قصصه إنه يضحك عليك. نعم Ne crois pas ces histoires, il se moque de toi. Ne crois pas ces histoires, il se moque de toi. Ne crois pas ces histoires, il se moque de toi. جملة أخرى أنا لا أهتم أو أنا لا أبالي بما يظنه الآخرون. سنستعمل كذلك le verbe se moquer. نعم Je me moque de ce que pensent les autres. Je me moque de ce que pensent les autres. Je me moque de ce que pensent les autres. Le verbe commencer. Commencer yani yabda'o. Commencer. الآن إذا أردت أن أقول بدأت في تعلم اللغة الفرنسية الأسبوع الماضي. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم، j'ai commencé à apprendre le français la semaine dernière. J'ai commencé à apprendre le français la semaine dernière. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. On a le fait يبدأ صرف في الماضي المركب. J'ai commencé à apprendre le français la semaine dernière. Le verbe réconcilier. Réconcilier, معناه يصالح. Réconcilier. الآن إذا أردت أن أقول لقد صالحت أحمد وفاطمة. جملة سهلة جدا. نعم أحسنت. J'ai réconcilié أحمد et فاطمة. J'ai réconcilié أحمد et فاطمة. J'ai réconcilié أحمد et فاطمة. Le verbe régler. Régler, لديه الكثير من المعاني. سنتعرف عليها من خلال الأمثلة. أول معنى هو organiser, يعني تنظيم أو ينظم. Organiser. الآن إذا أردت أن أقول برنامج الرحلة منظم مسبقا. نعم، le programme du voyage est réglé d'avance. Le programme du voyage est réglé d'avance. Le programme du voyage est réglé d'avance. Aussi, le verbe régler signifie donner une solution, يعني إعطاء حل. إذن هذا الفعل يعني كذلك يصلح أو يحل مشكلا ما. إذا أردت أن أقول لقد أصلح هذه المشكلة بسرعة. نعم Il a réglé ce problème rapidement. Il a réglé ce problème rapidement. Il a réglé ce problème rapidement. كذلك هذا الفعل يعني يضبطه. Ça veut dire mettre au point un appareil pour qu'il fonctionne correctement. يعني ضبط جهاز ما ليعمل بشكل صحيح. إذن إذا أردت أن أقول أو أطرح هذا التساؤل هل ضبطت المنبه ليرن غدا صباحا؟ كيف أعبر عن هذا التساؤل؟
Oui, très bien. As-tu réglé le réveil pour qu'il sonne demain matin? As-tu réglé le réveil pour qu'il sonne demain matin? Répète avec moi haute voix. As-tu réglé le réveil pour qu'il sonne demain matin? Aussi, le verbe régler signifie payer. Payer, يعني يدفعو. كذلك هذا الفعل يعني يدفعو. يعني يدفعو مالا. Par exemple, il a réglé ses achats. Il a réglé ses achats. يعني لقد دفع ثمن مشترياته. Il a réglé ses achats. Le verbe quitter. Quitter, هذا الفعل كذلك لديه الكثير من المعاني. أولها يغادر. يغادر. مثلا إذا أردت أن أقول يغادر فرنسا للعيش في إسبانيا. نعم, il quitte la France pour vivre en Espagne. Il quitte la France pour vivre en Espagne. Il quitte la France pour vivre en Espagne. كذلك هذا الفعل يعني يتركه. يتركه. مثلا إذا أردت أن أقول ترك أصدقاءه بحزن شديد. نعم, il a quitté ses amis avec beaucoup de tristesse. Il a quitté ses amis avec beaucoup de tristesse. Il a quitté ses amis avec beaucoup de tristesse. كذلك هذا الفعل يعني يتخلى. يتخلى عن. مثلا إذا أردت أن أقول لقد ترك وظيفته أو لقد تخلى عن وظيفته. نعم, il a quitté son emploi. Il a quitté son emploi. On peut dire aussi il a quitté son travail. Le verbe souffrir. Souffrir, يعني يعاني. Souffrir. مثلا إذا أردت أن أقول لا أتحمل رؤية الناس الذين أحبهم يعانون. جملة طويلة نوعا ما, حاول أن تفكر في الإجابة. خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Je ne supporte pas de voir souffrir les gens que j'aime. Je ne supporte pas de voir souffrir les gens que j'aime. Je ne supporte pas de voir souffrir les gens que j'aime. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ أرى أنه يعاني كثيرا مؤخرا. Oui, très bien. Je vois qu'il souffre beaucoup dernièrement. Je vois qu'il souffre beaucoup dernièrement. Ici, le verbe souffrir est conjugué au subjonctif présent. هنا الفعل يعاني صرف في صيغة الشك. Je vois qu'il souffre beaucoup dernièrement. Le verbe comparer. Comparer, يعني يقارن. Comparer. مثلا إذا أردت أن أقول لا تقارنه مع ابن عمه. نعم, ne le compare pas avec son cousin. Ne le compare pas avec son cousin.
Ici, le verbe comparé est conjugué à l'impératif. On a الفعل يقارن صرف في صيغة الأمر. Ne le compare pas avec son cousin. Le verbe compliqué. Compliqué يعني يعقد يصعب يعني يصعب الأمور. Compliqué. مثلا إذا أردت أن أطرح هذا التساؤل وأقول لماذا تعقد الأمور؟ نعم، pourquoi tu compliques les choses? Pourquoi tu compliques les choses? Pourquoi tu compliques les choses? Le verbe craindre. Craindre يعني يخشى أو يخاف. Craindre. مثلا إذا أردت أن أقول هو يخشى ألا يكون في المستوى. فكر قليلا. Oui, très bien. Il craint de ne pas être à la hauteur. Il craint de ne pas être à la hauteur. Répète avec moi. Il craint de ne pas être à la hauteur. Le verbe éloigner. Éloigner معناه يبعد. Éloigner. مثلا إذا أردت أن أقول يجب إبعاد ندى من هنا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Il faut éloigner Nada d'ici. Il faut éloigner Nada d'ici. Il faut éloigner Nada d'ici. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ سارة تخاف من الكلب، هل يمكنك إبعاده؟ Oui, très bien. Sarah a peur du chien. Peux-tu l'éloigner? Sarah a peur du chien. Peux-tu l'éloigner? Sarah a peur du chien. Peux-tu l'éloigner? Aussi, on a le verbe pronominal s'éloigner. S'éloigner. وكذلك لدينا الفعل المركب يبتعد. رأينا إلواني معناه يبعد. الآن لدينا سلواني يعني يبتعد. سلواني. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ سهلة جدا. لا تبتعد. نعم. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. Ici, le verbe est conjugué à l'impératif. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ في بعض الأحيان نحتاج إلى الابتعاد أو نحتاج لنبتعد. Oui, très bien. Parfois, on a besoin de s'éloigner. Parfois, on a besoin de s'éloigner. Parfois, on a besoin de s'éloigner. Avare. Avare, تعني بخيل. Avare. إذن إذا أردت أن أقول إنه ليس بخيل لكنه مقتصد. كيف أعبر عن هذه الجملة؟
Naam, il n'est pas avare, mais il est économe. Il n'est pas avare, mais il est économe. Il n'est pas avare, mais il est économe. Économe, تعني مقتصد. Économe. الآن إذا أردت أن أقول ندى مقتصدة للغاية أو مقتصدة كثيراً فهي تشتري فقط ما هو ضروري. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم، ندى est très économe. Elle n'achète que ce qui est nécessaire. Nada est très économe. Elle n'achète que ce qui est nécessaire. عكس صفة بخيل هي الكريم يعني السخي. بالفرنسية نقول généreux. 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 بالنسبة للمؤنث نقول généreuse. Généreuse. الآن إذا أردت أن أقول إنه كريم جدا أعطى وجبته لشخص كان جائعا. Oui, très bien. Il est très généreux. Il a donné son repas à une personne qui avait faim. Il est très généreux. Il a donné son repas à une personne qui avait faim. حاول أن تردد معي عزيزي المشاهد بصوت مرتفع. Il est très généreux. Il a donné son repas à une personne qui avait faim. Ému. Ému, تعني متأثر. Ému. الآن إذا أردت أن أقول أنا أستطيع فقط أن أقول إنه تأثر عندما تحدث عنك. جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير. نعم، je peux seulement dire qu'il était ému en parlant de toi. Je peux seulement dire qu'il était ému en parlant de toi. Je peux seulement dire qu'il était ému en parlant de toi. Facile. Facile, يعني سهل. Facile. الآن إذا أردت أن أقول من السهل تعلم اللغة الفرنسية. نعم، c'est facile d'apprendre le français. C'est facile d'apprendre le français. C'est facile d'apprendre le français. Faible. Faible يعني ضعيف. Faible. هذه الصفة تستعمل أيضا للمؤنث أي لا يقع عليها أي تغيير. إذا أردت أن أقول أنا أشعر بضعف شديد. نعم، je me sens très faible. Je me sens très faible. Fier. Fier يعني فخور. Fier. الآن إذا أردت أن أقول هي فخورة بابنها. نعم, elle est fière de son fils.
Elle est fière de son fils. Elle est fière de son fils. Froid. Froid, يعني بارد. Froid, بالنسبة لمؤنث نقول froid. الآن إذا أردت أن أقول هذا الطبق بارد هل يمكنك إعادة تسخينه من فضلك؟ نعم. Ce plat est froid. Tu peux le réchauffer s'il te plaît? Ce plat est froid. Tu peux le réchauffer s'il te plaît? Ce plat est froid. Tu peux le réchauffer s'il te plaît? Furieux. Furieux يعني غاضب. Furieux. بالنسبة للمؤنث نقول furieuse. Furieuse. الآن إذا أردت أن أقول لقد كان غاضبا عندما أبلغته بالخبر. Oui, très bien. Il était furieux quand je lui ai annoncé la nouvelle. Il était furieux quand je lui ai annoncé la nouvelle. Il était furieux quand je lui ai annoncé la nouvelle. Gênant. Gênant, يعني محرج أو مزعج. Gênant. الآن إذا أردت أن أقول من المحرج إخباره بالحقيقة. نعم، c'est gênant de lui dire la vérité. C'est gênant de lui dire la vérité. C'est gênant de lui dire la vérité. Gentil. Gentil يعني لطيف أو طيب. Gentil. كل لطيفا معها. نعم، sois gentil avec elle. Sois gentil avec elle. Sois gentil avec elle. Heureux. Heureux يعني سعيد. Heureux بالنسبة للمؤنث نقول heureuse. Heureuse. الآن إذا أردت أن أقول لو كنت فقط أستطيع أن أجعله سعيدا. نعم. Si seulement je pouvais le rendre heureux. Si seulement je pouvais le rendre heureux. Si seulement je pouvais le rendre heureux. Étroit. Étroit, تعني ضيق وكذلك لها معنى آخر يعني وثيق شيء موطد يعني علاقة وطيدة. Étroit, بالنسبة للمؤنث نقول étroit. سأعطيكم مثالين. هذا الطريق ضيق جدا. نعم، cette route est très étroite. Cette route est très étroite. Cette route est très étroite. جملة أخرى، إنه دائما على اتصال وثيق بالجيران.
Il est toujours en contact étroit avec les voisins. Il est toujours en contact étroit avec les voisins. كما لاحظتم أصدقائي تغير معنى هذه الصفة من خلال الجملة في المثال الأول رأينا المعنى ضيق وفي المثال الثاني كان المعنى وثيق الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال يوم يقول أنت تبالغ لا شيء يمكن أن يحدث له كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعليق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وإذا كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم